aujourd'hui nous sommes revenus, mais quand même avant d'entrer au fond du sujet, nous allons comme d'habitude vous présenter nos chaleureuses salutations. Alors précédemment, autrement dit la vidéo précédente, comme vous l'aviez constaté vous-même, nous avions travaillé sur l'une des phases de la versification dénommée la mesure. On avait clairement dit que cette versification tournait autour de trois grandes phases. La rime, la mesure du moins, la rime, le rythme. Nous avions bouclé la mesure précédemment avec la règle des procédés de mesure, autrement dit la diarèse, la synarèse et la règle de l'hiatus. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, toutes les chemins mènent vers la deuxième phase de la versification dénommée la rime. Alors qu'est-ce que la rime? La rime n'est rien d'autre que la répétition d'une même sonorité en fin de vers. Vous entendez par en fin de vers, en fin de plusieurs vers qui suivent, autrement dit, maximum de vers. Si vous avez un seul vers, on ne peut pas parler de la rime, c'est impossible. Alors, dans ce cas, la deuxième question que l'élève se pose, après avoir compris qu'effectivement, c'est la répétition d'une même sonorité en fin de vers, quels sont les composants de la rime? Souvent, le collègue, il libère souvent les élèves quand il pose la question. Il essaie de mettre en valeur ces trois composants. La question, il la label ainsi. Identifier la nature ou le genre, la disposition et la qualité du premier quatrain, ou bien du deuxième quatrain, ou bien du sixain, ou bien du huitain. Là, vous avez compris que j'ai énuméré les strophes qui sont paires. Autrement dit, toute strophe paire peut faire l'objet d'une rime. Souvent, les élèves croient qu'à chaque fois, la rime, c'est un quatrain. Non. On peut étudier une rime par le biais d'un sixain, c'est-à-dire une strophe de six vers. On peut étudier une rime par le biais d'un huitain, c'est-à-dire une strophe de huit vers. On peut étudier une rime par le biais d'un dixain, c'est-à-dire une strophe de dix vers. Mais là, vous avez compris que j'ai dégagé une strophe de quatre vers. C'est-à-dire, ce quatrain a été extrait dans l'œuvre de Victor Hugo intitulée Les Feuilles de l'automne, publiée en 1831. Alors, le premier quatrain, qu'est-ce qu'il nous dit pour faire allusion à la rime? Il dit le soleil s'est couché ce soir dans les nuées. C'est ça qui nous intéresse. Si nous faisons allusion à cette définition-là. Le deuxième vers, qu'est-ce qu'il dit? Demain viendra l'orage et le soir et la nuit. C'est la nuit qui nous intéresse. Le troisième vers, qu'est-ce qu'il dit? Puis l'aube et ses clartés de vapeurs obstruées. Le quatrième vers, il confirme. Puis les nuits, puis les jours, pas du temps qui s'enfuit. Alors, les débuts du vers, ou bien les milliers de vers, ne nous intéressent pas parce que nous sommes dans la phase de la rime. Alors, très rapidement, l'autre question que l'élève soulève est la suivante. Monsieur, quels sont les composants de la rime? Comme je l'ai énuméré avec le collègue qui libère les élèves, moi d'habitude je pose la question suivante, ou bien je libelle l'aspect suivant. Identifier la rime du quatrain, ou bien étudier la rime du quatrain. Dans ce cas, l'élève doit comprendre que les composants de la rime sont: nous avons nature, ou bien genre, nous avons la disposition, nous avons ce qu'on appelle la qualité. Forcément, le camarade posera la question, monsieur, qu'est-ce qu'on entend par genre? Ou bien qu'est-ce qu'on entend par la nature? Là, pour le comprendre, il faut renvoyer l'élève vers le cycle moyen, surtout avec cette expression-là qu'on appelle genre. Souvent, dans le cycle moyen, sur les analyses grammaticales, vous dites, souvent l'élève entend masculin, féminin. C'est là qu'il faut le comprendre. C'est-à-dire, ici, dans la nature ou bien le genre, la rime est soit féminine, soit elle est masculine. Alors, forcément, l'élève dira, quand est-ce que la rime est féminine? La rime est féminine lorsque les vers se terminent par un mouillé. Alors, très rapidement, si vous vous rappelez un peu de l'expression sur la mesure, ce que nous avions expliqué, on avait dit qu'il y avait trois types de mouillé. Le E tout court, la marque ES et la marque NT. Autrement dit, si les vers se terminent par un E tout court, par ou bien ES ou bien la marque NT, ça devient ce qu'on appelle la rime féminine. Alors, l'élève dira quand est-ce que d'abord, quand est-ce que la rime est masculine dans ce cas. Tout texte, tout vers où il n'y a pas ce qu'on appelle de un mouillé final, la rime semble être masculine. Autrement dit, à l'exception de un mouillé en fin de vers, toutes les autres rimes répondent à ce qu'on appelle à des rimes masculines. Que ce soit nué, nuit, obstrué, s'enfuit, etc. S'il n'y a pas de un mouillé, fermez les yeux, la rime est masculine. Maintenant, pour traiter cet axe, qu'est-ce qu'il faut faire? Très rapidement, l'élève dit que effectivement, vous prenez les vers qui riment ensemble. Ne soyez pas paresseux, sergent Tourneau. L'élève, qu'est-ce qu'il doit faire? Ce vers est surnommé vers numéro 1. Dit vers 1. Qu'est-ce qu'il prend? Il prend cette expression-là, nuée. Il vient nuer avec quel vers? Le vers numéro 3, obstruer. Il fait comme ça. Vers numéro 3, nous avons obstrué. Alors, comme j'ai dit tantôt, l'élève, qu'est-ce qu'il fait? Il met le crochet. La réponse est la suivante.
la rime est masculine parce que les vers ne se terminent pas par un V. La rime est masculine. Il faut apporter une justification parce que les vers ne se terminent pas par un V. Ne se terminent pas par un E. Oui. Alors, c'est ça la justification. Mais ça dit, ce qu'il faut éviter, il faut éviter de dire que la rime est masculine tout court. Non, ça ne se passe pas comme ça. Maintenant, l'élève continue sa démarche. Maintenant, il revient au niveau du vers 2. Pourquoi? Parce que nuit et sans fille ont la même sonorité enfin. Ça, nuit est au vers numéro 2. L'élève écrit nuit. N'est-ce pas? Nous avons le vers numéro 4. L'élève écrit s'enfuit. Dans ce cas, si vous constatez une chose, c'est la même chose. Là, vous écrivez la même chose. La rime est masculine parce que les vers ne s'éteignent pas par un. Attention aux élèves. Parce que les élèves, ils pensent qu'à chaque fois, si vous avez un quatrain, les deux vers, la rime est féminine, les autres vers, la rime est masculine. Non, si vous faites ça, vous allez tomber dans le piège. Il faut user ce qu'on appelle les règles. Si les vers ne s'éteignent pas par un oublié, la rime devient masculine. On pouvait avoir, par exemple, fête et était. Dans ce cas, l'élève, qu'est-ce qu'il dira? La rime est féminine parce que les vers se terminent par un oublié. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de rime féminine. Et vous avez réglé le problème. Je l'avais dit, avec le S, c'est la même chose. Avec la marque NT, c'est la même chose. Maintenant, si l'élève termine, il vient au niveau de la disposition. Dans la disposition, il faut reproduire ce que vous avez fait. Comme j'ai l'habitude de le dire, ne soyez pas paresseux. Dans ce cas de vue, qu'est-ce qu'il faut faire? Reprenez les quatre. L'élève met, il met V1. Nous avons nuit. V2, nous avons nuit. V3, nous avons obstrué. Alors, le V4, qu'est-ce qu'on a? Nous avons s'enfuit. Dans ce cas, il faut faire appel à certaines lettres alphabétiques. Souvent, on a tendance à mettre en valeur le A et le B. Non. L'élève peut mettre le E, il peut mettre C. Le pourquoi A et B ont été choisis? Parce que ce sont les premières lettres de l'alphabet. Alors, dans ce cas, vous prenez les vers qui ont les mêmes sonorités, enfin, bien entendu. A. Alors, nuit rime avec qui? Obstrué. Nous avons A ici. Nuit rime avec quoi? S'enfuit. Nous avons B et nous avons B. L'élève fait comme ça. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il dira? Les rimes sont croisées. Parce qu'elle obéissent au schéma AB, AB. Comme ça, les rimes sont croisées. Parce qu'elles obéissent au schéma AB, AB. Alors ne dites pas à chaque fois la rime, les rimes sont croisées. Parce qu'il y a trois types de rimes en ce qui concerne la disposition. Les rimes peuvent être croisées avec ce schéma-là. On peut avoir des rimes suivies ou plates avec ce schéma-là. Les rimes dans ce cas sont suivies ou bien les rimes sont plates. Maintenant, si vous avez ce schéma A, B, B, A, comme on l'appelle affectueusement en classe, A, B, dans ce cas, l'élève comprendra qu'effectivement, les rimes deviennent ce qu'on appelle embrassées. Donc, vous avez trois types de rimes en ce qui concerne la disposition. Les rimes sont croisés, comme dans ce quatrain-là, lorsqu'elles obéissent au schéma ABAB, les rimes sont suivies ou plates, lorsqu'elles obéissent au schéma AABB, les rimes sont embrassées, lorsqu'elles obéissent au schéma ABBA. Mais attention, pourquoi j'ai dit attention? Il ne faut jamais dire qu'à chaque fois, on doit étudier un quatrain, comme je l'ai dit tantôt, ce qu'on appelle dans mes explications. L'élève peut tomber sur un sixième, ça dit une sorte de six vers. Dans ce cas, l'élève peut avoir comme disposition, par exemple, A, A, B, B, C, C. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut dire? Les rimes sont suivies parce qu'elles obéissent au schéma A, A, B, B, C, C. Vous pouvez avoir, par exemple, A, A, B, C, C, B. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on a? Les rimes sont suivies et embrassées parce que nous avons le schéma B, C, B, C. J'ai l'habitude de dire aux élèves, ici, si vous avez l'habitude de travailler avec les A, A, B, B, vous faites comme ça dans le brouillon. A, B, B, A. Là, ça devient A, B. Dans ce cas, les rimes sont suivies et embrassées. Vous pouvez tomber sur A, A, B, C, B, C. Faites comme ça. Très rapidement, ça devient A, B. A, B, forcément se croiser. Vous avez les deux A qui sont en haut. Les rimes sont suivies et croisées parce qu'elles obéissent au schéma A, A, B, C, B, C. Ce sont les possibilités qu'on peut avoir au niveau de la disposition. Maintenant, nous avons ce qu'on appelle la fameuse qualité. C'est là où le bas blesse, c'est là où il pose problème. Parce que souvent, dans ces qualités, l'élève, il est en train de faire recours souvent à l'alphabet phonétique. Soit
la rime est pauvre, soit la rime est suffisante, soit la rime est riche. Ce sont ces trois qui existent. Alors souvent, l'élève, il fait recours souvent à l'alphabet phonétique. Moi, j'ai dit que peut-être que c'est le collègue qui lui a demandé de faire l'alphabet phonétique. Mais je sens que souvent, les élèves ont des problèmes. Dans ce cadre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire recours directement aux sonorités qui sont exactes. Les sonorités que j'appelle souvent les sœurs jumelles, les vraies sœurs. On ne peut pas les discerner. Même taille, même tresse, même habit, même couleur. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Très rapidement, on prend le V1. N'est-ce pas? Le V1, qu'est-ce qu'on a? Nous avons nué. N'est-ce pas? Le vers numéro 4, qu'est-ce qu'on a? Nous avons obstrué. Dans ce cas, comment faire pour contourner ce qu'on appelle l'alphabet phonétique pour être dans les dispositions de trouver? Regardez bien ce que je vais faire. Le ne n'est pas ici. Il faut barrer. Mais dans les devoirs, ne barrez pas. Hein? Dans les devoirs, ne barrez pas. Alors, ici, nous avons hué. Tac, l'élève, qu'est-ce qu'il dira? Et j'ai entendu le son hué dans obstrué. Donc, j'attends. Vous descendez sur obstrué. Le O n'est pas là, barré. Le B n'est pas là, enlevé. Le S n'est pas là, enlevé. Le T n'est pas là, enlevé. Le R n'est pas là, enlevé. Là, nous avons hué. Nous avons hué. Je vais le faire ici pour permettre aux internautes de bien saisir ce que j'écris. Nous avons hué, hué. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on a? U. Nous avons un son identique. Et nous avons un son identique. Là, ça devient ce qu'on appelle deux sons. Si vous avez deux sons identiques, cela veut dire que la rime semble être suffisante. Quand est-ce que la rime est suffisante? Quand nous avons ce qu'on appelle deux sons identiques. Alors, dans ce cas de figure, l'élève, il continue maintenant sa démarche. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde. Ça, c'est le vers numéro 3. L'élève dira, vers 3, qu'est-ce qu'on a? Nous avons nuit. Vers 4, qu'est-ce qu'on a? Nous avons ce qu'on appelle s'enfuit. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Même topo. Alors, le nom n'est pas là, enlevé. Mais vous avez entendu le son U dans s'enfuit. Donc, attendez. Le S n'est pas là, enlevé. Le E n'est pas là, enlevé. Le F n'est pas là, enlevé. Maintenant, on revient comme nous avions fait. Nous avons ces deux-là. Alors, dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'il faut faire? U. Nous avons U, nous avons U. Nous avons U, nous avons U. La rime semble être suffisante parce que nous avons deux sons identiques. Alors, maintenant, je l'ai dit tantôt, mais dans ce cas-là, la rime est suffisante. Quand est-ce que la rime est suffisante? C'est lorsque nous avons deux sons identiques, mais la rime peut être pauvre. Quand est-ce que la rime est pauvre? C'est lorsque nous avons un seul son identique. Dans ce cas, comment? Par exemple, si vous avez pile et vous avez pâle. Dans ce cas, comme j'ai dit tantôt, même topo. Le P n'est pas là, enlevez-le. N'est-ce pas? Le I n'est pas là, enlevez-le. Mais vous avez entendu le ici. Arrêtez. Enlevez le P qui est là parce qu'il n'est pas là. Pourquoi? Parce que le I est la A, non pas ce qu'on appelle la même sonorité. Vous enlevez le A, vous avez le L, vous avez le L. Dans ce cas de figure, la rime est et pauvre parce que nous avons un seul son identique. Là, je profite aussi de l'occasion pour vous dire que si vous avez une consonne plus un E mouillé, ça devient ce qu'on appelle un son. Maintenant, si vous avez ce qu'on appelle une consonne plus une voyelle, ça devient deux sons. Ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, dans ce cas de figure, quand est-ce que maintenant la rime est riche? La rime est riche si nous avons plus de trois sons identiques. C'est-à-dire ici, ne dites pas plus de deux sons du moins, excusez-moi. Ne dites pas que nous avons trois sons ou bien quatre sons ou bien cinq sons parce que l'élève peut se tromper. Si vous dites que la rime est riche parce que nous avons trois sons, alors que c'est quatre sons, là forcément, le correcteur, il va vous donner zéro. Mais pour éviter de tomber dans le piège, il faut éviter ça. Maintenant, comment donner un exemple par rapport à ça? Par exemple, si nous prenons le vers de Joachim Dublé, il parle de latin, il parle de ce qu'on appelle de palatin. Alors, dans ce cas, comment faire? Le, il est là, n'effacez pas. Le A est là, n'effacez pas. Le T est là, n'effacez pas. Mais le P n'est pas là, effacez. Le A n'est pas là, effacez. Regardez, nous avons latin, latin. Le, un son. A, un son, ça fait deux. T, un son, ça fait trois. Un, un son, ça fait quatre. La rime est riche parce que nous avons ce qu'on appelle plus de deux sons identiques. Maintenant, après avoir démontré la rime, nous allons attaquer ce qu'on appelle le rythme. Qu'est-ce que le rythme? Je suis obligé de m'arrêter là, au fond de ce qu'on appelle de mon discours. Je vous invite les uns et les autres à s'abonner davantage sur notre chaîne YouTube. Merci, je vous remercie de votre aimable attention.